business à lancer quand on... Bonjour à tout le monde. Alors, comment ça va ? Bonjour Yann, bonjour Gabriel. Vous savez que je viens toujours avec des messages chaque jour. Donc ce matin, j'ai un message très frais. Beaucoup d'entre vous, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes en train de... Vous venez d'amorcer une saison de guérison. Donc je demande la présence du Saint-Esprit, de la Vierge Marie. Je demande aussi que le Seigneur Jésus m'inspire pour que je vous parle. Je voudrais faire une sorte de rappel. Je voudrais vous ramener les choses que vous avez oubliées dans la mémoire. Beaucoup d'entre vous qui êtes sur ma chaîne, ce n'est pas du hasard. Parce qu'il y a des choses spécifiques que vous êtes censés faire. Bonjour Sophie, je ne donne pas d'invitation personnelle à qui que ce soit. Ce sont les Béninois, ce n'est pas moi. Mon compte personnel Facebook, je n'y vais même pas. Donc si tu as reçu une invitation, ce n'est pas moi. Bonjour Kevin. Jeannette, tu vas dire à ce chat qui miaule devant ta porte que peu importe la mauvaise ou la bonne nouvelle avec laquelle il est venu, tu transformes cette nouvelle en bonne nouvelle. C'est qu'il y a des gens très superstitieux qui vont dire « Oh, ça veut dire que quelque chose de mal va se passer. » Moi, je transforme les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Je transforme les bonnes nouvelles en très bonnes nouvelles. Voilà. Bon, l'enseignement d'aujourd'hui sera très lourd. Si vous m'avez écouté hier, on est allé sur des trucs ancestraux. On est entré dans les... Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de travail à faire pour guérir. Je vous ai dit hier que votre argent est bloqué parce que vous êtes... avec votre famille, vous n'êtes pas OK. Certains parmi vous, c'est quand vous allez prospérer votre famille que vous allez prospérer. C'est quand vous allez aider votre famille que vos affaires vont marcher. Même s'ils vous ont déjà abusé 50 fois. Certains d'entre vous, vous êtes des réconciliateurs dans votre famille. Je ne sais pas pourquoi, mais mon guide pour que je parle là-dessus un peu plus. Il y a des membres de votre famille qui ont besoin de guérison. Et vous êtes là pour apporter une guérison générationnelle. C'est-à-dire, vous allez vous guérir. Guérir votre père. Guérir votre grand-père. Et tous leurs enfants. Donc vous allez guérir les enfants de votre grand-père. Les enfants de votre grand-mère. Les enfants de votre père. Vos pères qui ont 5 enfants avec 7 mères différentes là. Bon, ceux qui m'écoutent, tu me dis que tu as attaqué le travail. Ça, c'est... Je vous ai déjà dit, attendez-vous à ce genre de choses. Vous serez attaqués. Maintenant, c'est une distraction. Donc je reviens sur la guérison. Parce que tant qu'on ne guérit pas, on ne peut pas avoir accès aux bénédictions. Pardon, mon chapeau, je peux me demander mon chapeau qui est là-bas, mon chapeau blanc. Merci. Beaucoup d'entre vous, vous avez... vous avez rejeté, très longtemps vous avez rejeté votre situation familiale. Donc partagez ma vidéo s'il vous plaît et puis vous laissez des likes. Vous ne pouvez me parler qu'à distance. Si vous voulez faire des lectures de destinée, donc de moins en moins je fais des consultations où je vous vois comme ça. Donc, on parle au téléphone ou bien je vous fais un message écrit ou un voice. Je vous parle de votre, des énergies en vous. Maintenant, résistez à l'envie de me contacter pour me demander, pour parler juste avec moi. Donc, je suis en train de changer. La façon dont je consulte est en train de changer. Donc, ce sera plus les appels vidéo qui vont prendre une heure de temps pour perdre le temps aux gens. Parce que malheureusement, quand vous êtes en vidéo comme ça, vous restez dans votre petite vibration. Vous restez dans votre basse vibration. Et beaucoup d'entre vous, vous avez besoin, vous voyez comme vous venez de vous réveiller là. Il y a quelqu'un en vous. Si tu peux rester comme tu es tous les matins à 5 heures, quand il te parle. Louis, je ne suis pas dans les choses de rapide. Donc si tu vas tomber sur ma page, tu vas écouter mes vidéos pendant même un mois. L'affaire de travail, c'est là, c'est un truc profond. Il va falloir que tu pardonnes certaines de ces personnes. Donc, j'ai des choses que je dois vous passer aujourd'hui. Donc, je vais rester sur le mode enseignement. Donc, vous pouvez laisser des cœurs, vous pouvez partager la vidéo. Si vous ne voulez pas partager, ne partagez pas. Je ne supplie pas les abonnés. Voilà. Si ce que vous dit ne vous plaît pas, vous êtes sur TikTok, vous pouvez quitter. Mais je sais que le message que j'ai à donner, c'est exactement pour certaines personnes. Donc, prenez de quoi noter. J'ai des personnes qui me contactent et me disent « Je prends toujours des notes quand tu enseignes. » Parce que je guéris par la parole. Vous ne savez pas que vous êtes en science de guérison maintenant. Je sais que vous allez me dire, comment faire pour guérir? Comment faire pour guérir? Lors, si tu pleures dans ma vidéo, je vais te bloquer. Tu as compris, non? Je te préviens d'abord. Tu es la première personne qui a perdu l'argent. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en... il y a un shift spirituel que vous êtes en train de traverser. Et pour certains, vous ressentez l'envie de vous isoler. Pour d'autres, vous vous retrouvez très souvent, vous vous réveillez tôt. Vous restez seul. Parce qu'il y a des choses, je vous ai déjà dit que ce n'est pas votre première vie ici. Vous étiez là avant. Vous étiez là avant. Et quand vous allez commencer à vous concentrer et comprendre que la fête, vous n'êtes pas tombé sur ma page par hasard. TikTok, Facebook, YouTube, ça peut être utilisé pour faire du bien. Tout comme ça peut perdre votre temps. Ça peut perdre votre temps. Tu passes toutes tes journées dessus. Rien n'avance dans ta vie. Donc, ce besoin intense que vous ressentez. Donc, quand vous tombez sur mes vidéos, vous dites, mais waouh! Ce que je fais en ligne actuellement, dans la francophonie, très peu de personnes le font. Ah, merci pour la casquette. Je ne sais même pas qui m'a donné la casquette. Merci. Merci, Reb. Dans la francophonie, les vidéos en français, il y a très peu de personnes qui le font. Mais le côté francophone a besoin de guérir. Donc, si vous êtes venu dans ma vidéo pour me parler de vos blocages, moi, je vais vous bloquer. Si vous êtes venu pour écouter et guérir, avec un esprit disposé, vous pouvez vous asseoir. Donc, je précise. Qui m'a dit de me calmer là? Vous ne vous amusez pas et moi. Hein? Je te bloque. Vous avez passé des anciennes vies bloquées dans des stages, à des étapes. C'est pour ça que quand vous pensez à vos rêves, je me suis réveillée ce matin, j'ai une des filles qui me suit là, merci Fleur d'Orange. Elle me dit, elle a rêvé qu'elle était une guerrière. Vous avez beaucoup de vos souvenirs d'anciennes vies qui reviennent. C'est un peu comme si vous devez valider certains niveaux avant d'avancer. Écoutez-moi très bien. Très rarement, je suis aussi concentrée. Je suis aussi concentrée sur ce qui est spirituel et ce qui va vous aider. Certains d'entre vous, vous êtes dans votre 10e vie. Certains, vous êtes dans votre 900e vie. Je dis bien. Certains d'entre vous, vous avez actuellement... Vous avez au moins 7 vies simultanément. C'est un chrétien ici là qui va vouloir faire un genre qui quitte ma vidéo. Donc, c'est pour ça que souvent tu as l'impression que il y a des choses que tu as déjà vécues et ça paraît tellement frais. Parce que ton esprit est ici, mais tu es encore à d'autres endroits. Je peux dire 0,1% d'entre vous. Parce que cette vidéo, je suppose que j'aurai peut-être 1500, 2000, 3000 vues. Donc, j'en aurai peut-être 2 ou 3, vous allez vous reconnaître dans ça. Les autres, vous êtes arrivés à un carrefour que vous avez déjà connu avant. Mais le tout, si vous sentez que vous pouvez prendre votre pouvoir dans vos mains. C'est pour ça que les films où on parle des trucs intergalactiques, ça vous plaît tellement. Parce que vous connaissez que vous n'avez pas besoin de l'avion pour voyager. Les affaires qu'on se disait que c'est seulement les sorciers qui voyagent là. Écoutez, vous êtes un sorcier, vous êtes une sorcière diplômée. Diplômée d'état-major de sorcellerie. Vous êtes les Harry Potter, ou c'est Harry Potteresses, ou c'est quoi là-haut. Maintenant, à chaque fois, on va dire quoi? Certains d'entre vous, voilà, il me dit, certains d'entre vous, vous revenez même de l'Égypte. C'est-à-dire, il y a Israël et il y a l'Égypte. Vous devez faire un tour dans ces 2 pays-là. Et je sais que depuis quelque temps, vous avez ces idées qui vous viennent à l'esprit. Genre, je dois aller faire quoi en Israël? Je dois aller faire quoi en Égypte? J'ai une dame une fois que j'ai consultée. Elle me dit, elle est arrivée en Égypte. En fait, elle s'est retrouvée par les circonstances de manque de papier. Elle s'est retrouvée en Égypte. Et tu vois, quand tu voulais partir en Europe, on t'a dit que tu vas passer par 2 pays avant d'arriver. Quand on arrivait en Égypte, on l'a déposé, on l'a laissé là-bas, on l'a abandonné. Elle arrive donc, elle dit, ok, bon, je suis ici, non. Elle commence à visiter. Elle dit que quand elle est partie là où il y avait les pyramides, elle a commencé à pleurer. Elle voulait sentir l'énergie qui était là-bas. Elle avait la sensation qu'elle était là-bas. Ça, c'est en 2000... Elle me raconte ces choses-ci, c'est en 2000. Je voulais qu'elle fasse ceci depuis longtemps. C'est au moins en 2015 qu'elle m'a raconté ça. Non, attends. 2017. Attends. Je suis arrivée au pays. Non, c'est en 2018 qu'elle me raconte ça. 2018. Et quand elle me racontait ça, elle était encore... Parce que toutes ces informations que vous avez rassemblées, c'est stocké quelque part. Maintenant, tant que vous ne validez pas d'autres aspects de votre spiritualité, vous n'allez pas être satisfait et vous n'allez pas débloquer cette partie. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous savez que mais je sens que je suis riche, mais l'argent est à l'eau. Ce n'est pas avec ton oncle que tu vas te battre pour avoir ton argent. Non, 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 non. Ce n'est pas avec ton mari. Hier, je vous ai dit, ce n'est pas avec ton père. Dès que tu vas valider un niveau, tac, les choses vont s'aligner comme le jackpot sur la machine. Ça fait ding, 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 ding. L'argent va commencer à te poursuivre. Tu vas me fuir. Donc, ce qui vous importe actuellement, à quel niveau suis-je dans ma démarche intergalactique, spirituelle? Où est-ce que j'en suis? Dès que tu vas... Je sais que beaucoup d'entre vous ont dit que mais je ne comprends pas. Qui va me dire? Première des choses, il y a des personnes dans votre environnement qui vous mettent trop de haine dans le cœur. Même si tu as escroqué les gens pour être riche, tout ça fait partie du karma, ne te dérange même pas. Tu dois libérer, tu as fait du mal aux gens, il y a aussi des gens qui t'ont fait du mal. Donc, quand tu vas libérer la partie où tu te retenais les gens qui t'ont fait du mal, les gens à qui tu as fait du mal vont aussi te libérer. Parce qu'il y a quelqu'un qui me demande que si tu t'es enrichi avec l'argent des gens. J'avais rêvé que j'étais née voyante gitane et je pesais l'avenir dans une armée romaine. Voilà, dans le Moyen-Âge, que je suis morte à 30 ans dans le combat avec eux. Nina, je ne suis pas surprise. Quand j'étais encore dans l'église, en tant que simpleton, bêteton, c'est le genre de rêve que je faisais. Un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, c'était trop vivide. C'était parmi vous, vous êtes les sirènes. Mais dans l'église, on t'a dit que les sirènes sont des mauvaises personnes. Que les sirènes sont des mauvais esprits. Donc, tu combats ta nature. Dès que tu restes, tu veux penser. Oh, pardon, il faut le... Dès que tu peux penser que si j'ai rêvé que j'étais en train de partir en bataille avec une armée, peut-être que j'étais vraiment, je faisais partie de cette armée. Peut-être. On vient te dire. On vient te dire. Ah, tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où? Écoutez, vous allez entrer dans une partie de votre vie où vous allez être seul, une place. Quand tu es dans ta méditation personnelle là, ton moment que tu passes seul là, l'esprit te dit quelque chose. Ne pas même pas dire à quelqu'un. Parce que c'est ça qui vous dérange. Vous passez le temps. Ouais. J'ai rêvé que j'étais dans l'armée. J'ai rêvé que j'étais dans l'eau. Je vivais dans l'eau. Je vivais dans l'eau. Moi j'étais avec des gens. Tu sais, je vivais. Ferme ta bouche. Quand tu vas commencer à fermer ta bouche pour tes choses, tu vas voir qu'ils vont plus te confier des choses. Parce que tu parlais beaucoup. Et quand tu parles, les gens qui sont autour de toi absorbent ton énergie. Quand tu parles, Ghost, il ne faut pas que la personne paye le mal qu'il a fait. Parce que des gens aussi ont fait du mal à cette personne. Je viens de te parler, mais tu ne comprends pas. Ce qu'on a pas là. Parce que vous venez dans les vidéos souvent avec ce que vous voulez entendre. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je vous dis ce que je dois vous dire. Tu peux te baptiser même 50 fois. Tu veux que tu te baptises chaque jour. Quitte à votre qu'on vous a dit à l'église. Tu as fait du mal aux gens. Les gens aussi t'ont fait du mal. Tu as des gens à qui tu n'as pas pardonné dans ton cœur. Kouna, je viens de parler de ça, hein, donc ne me distrais même pas. Je t'ai déjà dit ce qu'il fallait faire. Si tu ne veux pas savoir, tu laisses. Je t'ai déjà dit, tu n'étais pas attentif. Je ne rentrerai pas dans vos interprétations de rêve, Minier, mais interprétation de rêve, c'est un service qui est payant chez moi. Donc je continue mon enseignement. Si quelqu'un vient ici, il veut vous répondre, il veut vous dire, et vous allez écouter ce qu'il a dit, tant mieux pour vous. Après, vous pouvez vous prendre un inbox, vous faites quelque chose. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, je reviens à ce que je disais. Beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés, parce que dans ce direct, ce n'est pas tout le monde qui a son cycle, qui est arrivé à cette phase de son cycle où il est prêt. Certains d'entre vous, vous allez encore faire 3 vies. 3 vies. C'est dans ta 4e vie que tu vas te dire, c'est bon. C'est pour ça que parfois, tu te mets avec quelqu'un. Vous êtes là ensemble. Ok, on va se réveiller, on va aller courir demain. D'accord, on part. Oui. Tu te réveilles à 5 heures. Tu réveilles la personne, tu l'attends fatiguée, elle te dormit. Toi, tu es debout depuis 3 heures parce que tu attendais 5 heures pour aller courir. Donc, faites très attention des personnes avec lesquelles vous vous mettez. Oh, tu sais, faisons nos choses ensemble. Jamais. Vous êtes appelé à travailler seul. T'es bien. Je peux me mettre, je travaille avec toi. On n'a pas la même puissance. On n'a pas la même puissance. Nième, je vais te bloquer. Écoutez-moi bien. Je ne prends personne ici là. Donc si tu viens pour me tenter, je vais te bloquer. Tu es prévenu. Certains d'entre vous, vous avez une puissance, supposons si tu as 900 vies. Tu rencontres quelqu'un qui a 70 vies. Et que dans tes 900 vies, tu étais un roi même 45 fois. C'est pour ça qu'il y a des lieux que quand vous sentez souvent que je dois aller à tel endroit. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai des lieux clés. Quand je suis arrivé à Paris, je savais que j'ai vécu, j'étais monarque ou un truc comme ça, ou duchesse à Paris, je suis sûre. Une ville n'a pas résonné dans mon cœur comme Paris. Je regarde les endroits, c'est comme si je connaissais même comment on a construit. Yannick, cette vidéo, j'ai encore précisé, aujourd'hui là, je ne parle pas aux gens qui sont faibles d'esprit. Vous avez encore besoin de 3 vies. Venez, revenez même dans 2230. Là, vous serez prêts. Queen, je n'ai pas mis de make-up sur moi, Queen. Tu as compris? Regarde, tu dis que le make-up ne me va pas. Je n'ai pas mis le make-up sur moi. Donc, merci beaucoup en me disant que ça ne me va pas. Tu as compris? Vous n'aimez pas accepter. Quand tu vois que quelqu'un est belle, ça ne te plaît pas. Si ma face ne te plaît pas, mamie, pardon, porte tes pieds, tu pars. Tu as compris, non? Je n'ai pas mis le make-up sur moi. Donc, le make-up ne te va pas. Voyez-moi les choses. J'ai dit que j'ai déjà de toutes les qualités que vous jouez. C'est même quoi avec vous? Donc, je viens chasser toute distraction. Je chasse toute distraction. Beyoncé a dit, I woke up like this. Dans mon sommeil, j'étais comme ça. Dans mon sommeil. Vous allez avoir des gros boutons sur votre visage. Vous voyez, vous dites que les gens ont mis le make-up sur eux. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire croire qu'elles ont le même cheminement que vous. Qui vont vous faire croire qu'elles savent là où vous partez et qu'elles sont en train de partir là-bas avec vous. Vous allez commencer à écouter mes vidéos, vous allez avoir l'envie de montrer à tout le monde. Peut-être dans ta famille, tu as tes cousins, tes cousines, tes frères, tes soeurs. Au niveau ancestral, tu es la plus sage. Quand on dit que tu es le Moïse de ta famille, ça veut dire que tu es celui qui va porter les malédictions de la famille. Comme tu vois, il y a un gros monstre peut-être qui a retenu toute la famille enchaînée pendant des années. Toi, tu viens, tu es celui-là qui va aller porter le trésor de la famille. Et pour ça, il faut de l'énergie, il faut de la force. Il faut de la force. Et la force, ce n'est pas seulement dans les paroles. Vous savez, beaucoup de femmes surtout, vous savez que vous avez été avec des hommes. Ça, c'est la raison pour laquelle vous avez quitté beaucoup d'hommes. Et si c'est le cas pour toi, il faut que tu te concentres pour rassembler d'abord ta force. Commencer à produire ton argent. Trouver ton chemin. Je vais te donner un cas de figure. Tu es dans une relation avec un homme. Il te dit, ouais, on va aller à tel endroit ensemble. Tu lui dis, chérie, pas là-bas, fais comme ça. Chérie, achète ça, tu investis. Chérie, mets ça là-bas. Non. Il ne veut pas t'écouter. Il n'y a pas de souci. Tu laisses. Il part, il fait ce qu'il a dit. Ça échoue. Toi, peut-être en cachette, tu peux faire ta part. Ça marche. Mais quand tu viens devant lui, comme tu es dans un corps de chair, de femme, dans cette vie, et que ta culture a dit que la femme n'a pas de poids devant l'homme. Et que tu n'as pas confiance en toi. Tu te retrouves dans la galère dans cette relation pendant 8 ans. Il diminue ta confiance, il t'insulte tout le temps. Il diminue ta confiance en toi. Les finances même sont toujours à terre. Combat, combat sur combat, combat spirituel. tu arrêtes la relation. Tu commences à te retrouver. Tu commences à te ressourcer. Tu commences à... Parce qu'il y a des relations qui vous déconnectent. Ça déconnecte ton plexus solaire de toi-même. Tu n'es plus... Donc, tu deviens l'ombre de toi. Ce n'est que dans le sommeil qu'ils peuvent parfois te dire, mamie, reviens sur ton chemin que tu avais qu'on t'avait tracé. Reviens sur ta destinée. Te voilà. Peut-être que tu es tombé sur mes vidéos parce que tu as arrêté cette relation. Parce qu'on se connecte toujours, on ne se connecte jamais par hasard. Il y a des personnes qui me disent que je t'ai écouté, ça fait 6 mois. Ça ne m'a pas intéressé. Je suis partie. Ça fait 2 semaines que je suis retombée sur tes vidéos. Cette fois-ci, ça a un sens. C'est la même personne. Mais les circonstances, il y a des choses en vous qui ne sont pas encore révélées. Et ce qui bloque, ce sont des douleurs ancestrales. Les douleurs relationnelles. Il y a des croyances religieuses qui vous bloquent beaucoup. On t'a dit de ne pas parler avec les mots. Bonjour Greg. Du coup, tu as ton grand-père qui est mort, qui veut te parler depuis. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Grady, on bénit ton match que tu vas avoir là. On bénit ton match dans ton club professionnel. Tu es beau Brown, tu vas aller sur ma page. Va sur ma page, tu vas chercher les vidéos. Si tu ne peux pas aller chercher, tu laisses. Tu as compris, non? C'est que tu n'avais pas besoin de mes bons. On laisse. Tu dis que toi, ils ont les vidéos. J'ai envie de parler de la nana. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Donc, il y a Annie qui dit, tu es en train de changer grâce à mes enseignements. Écoutez, hein. Je vais vous raconter une portion de mon histoire. Je sais que ça va aider certaines personnes. J'étais dans une relation parce que la personne avait de l'argent. Il était fatigué de souffrir. Dans la façon dont la personne se faisait son argent, je savais que ce n'était pas bien. Je suis entrée dans la relation. Mais il savait que je suis un agent de lumière. Ce qui fait que il y a des choses que même si ce n'est pas fait, il nous dévoile. Ça ne va pas marcher. Comme le voilà, si je n'ai pas volé, ma conscience va me faire, je vais aller remettre la chose que j'ai volée. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que généralement, ce genre de personnes, vous avez un pouvoir d'attraction qui est incroyable. You have an incredible power of attraction. Parce que tout ce que tu peux aller voler. Et je me rappelle à l'époque, on avait des choses qu'on faisait. Je restais toujours, on se disait que je suis convaincue que c'est possible d'avoir l'argent comme ça. Oui. Et je me disais souvent que je ne sais pas pourquoi, comment, mais je sais que je serai riche. Et je sais que je vais le faire, je vais aider les gens et les gens vont venir, ils seront contents. C'était parmi vous, quand je parle, ça résonne avec votre esprit. Ils me disaient que mais comme, non, c'est pas possible. J'ai commencé la belle vie. Bon, la belle vie non naturelle, on va dire comme ça. Après quelques mois, j'ai commencé à avoir des attaques spirituelles dans cette relation. Problème tous les jours. Problème tous les jours. Ils ont commencé à me parler dans les rêves. Parce que comme j'avais déjà l'argent, je me disais, bon, je n'ai plus besoin de me connecter. J'ai besoin de prière, voilà. Ils ont commencé à venir dans mes rêves me parler. Parce que vous avez un groupe de personnes qui veillent sur vous. Et au moins 2 ou 3 fois où vous avez failli mourir. Moi, je peux dire, je peux me rappeler au moins une fois où j'ai failli mourir. Et quand tu y penses, tu crois que tu t'avais sorti de là. C'était parmi vous, on a essayé de vous avorter. Ta mère est partie. J'ai une amie, elle a essayé d'avorter 2 fois. Elle a bu le remède. Elle est même partie, on a mis le tout dedans, on l'a enlevé. Après, il reste, le ventre ne fait que gonfler. Et lui, il toujours dit que sa fille va accomplir de grandes choses. Donc, il y en a parmi vous, vous avez frôlé la mort plusieurs fois. Parce qu'il y a un ensemble de personnes qui veillent sur vous. Il y a d'abord vos ancêtres. Il y a vos anges. Il y a vos guides. Il y a vous-même. Vos pouvoirs. Donc c'est un peu comme si tu savais que tu vas partir dans tel pays. Tu envoies tes choses en avance. Quand tu arrives, tu fais une semaine ou un jour. Les choses te trouvent là-bas. Certains d'entre vous, vous avez envoyé. Donc, vous avez même planifié de tomber sur mes vidéos. Certains d'entre vous, on se connaissait dans une vie. Après, on s'est dit que, ok, on va se séparer ici, là, ok? On va se rencontrer dans une autre vie. On a dit oui. Donc, je veux que vous puissiez voir l'immensité de votre pouvoir. Et quand je parle, ça résonne avec votre cœur. Donc, un jour, je me retrouve là. Une énième fois, il me parle, je ne comprends pas. Et un problème éclate à la maison. Il commence à me taper dessus. Il me tape. Après, il met son coude. Je m'en rappelle toujours de ce moment, je ne sais pas pourquoi. Il met son coude, c'était son coude ou son genou. Donc, je crois que c'est son coude, sur mon cou. Et il a bloqué de telle façon que il savait que s'il reste comme ça un moment, moi je ne vais plus respirer. Voilà. Et pendant les 5 secondes où ma respiration est partie, là, je pense 2-3 secondes. C'est que quand tu vas mourir, là, une seconde pour toi, c'est comme si c'était 1 heure de temps. Mon souffle s'est coupé. Et là, c'est comme si j'ai ressenti mes anges me dire, si tu meurs ici, tu vas dire que tu faisais quoi? Attends, si tu meurs maintenant là, gratuitement. Leslie, ça fait combien de temps que tu me suis? Toi qui veux la consultation, que tu es en danger. Je ne fonctionne pas généralement avec ce genre d'urgence. Ça fait combien de temps que tu me suis? Est-ce que je te lavais avec le sel ce matin? Quand je me suis levée de là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit que gars, je ne peux pas mettre ma vie en danger. Je ne peux pas mettre ma vie en danger. Les jours qui ont suivi, hein, après ça, on a même pu faire 2 mois de relation. Non. Parce qu'il fallait aussi qu'elle soit sage. Il fallait que je sois sage. Il y a les relations que tu ne quittes pas comme ça. Tu ne te lèves pas seulement comme ça. Tu dis, oups, je pars. Tu dois faire avec la stratégie. Merci. Je ne suis pas musulmane. Pardon, coupe un peu le volume. Merci. Je ne suis pas musulmane. On vend les produits en France, oui. Il n'y a pas de religion. Même les musulmans, vous avez les ancêtres. Quand je suis sortie de cette relation, c'était en avril 2018. J'ai pris beaucoup de temps seul. Les 3 prochaines années, je suis restée plusieurs fois, j'étais seule. Méditation le matin. Méditation le matin. Écoutez ton cœur. suivre tes dons. Oh Chloé, j'étais pasteur. Je suis toujours pasteur. Tu as suivi ma chérie. Et c'est que vous aimez me mettre dans les cases. Vous aimez me mettre dans les cases. Tu es musulman? Tu es chrétien? Tu es pasteur? Je suis ce que je suis. Tu as compris? Je suis tout pasteur même jusqu'aujourd'hui. Je baptise les gens. Je suis magnésie. Je ne vais pas au village, je tue les animaux, je fais des sacrifices pour les gens. Tout ce que tu veux, je fais. Vous ne savez pas que vous avez des êtres à plusieurs dimensions. C'est multidimensionnel. À la Diane, que je suis une personne bien. Merci, je savais, merci. Merci beaucoup. Merci TikTok pour vos cadeaux. Vous êtes gentils ce matin. Donc, j'ai traversé après ça une saison de guérison. Une saison de guérison. Je suis pardonné à mon ex qui me tapait beaucoup. J'ai pardonné. J'ai dû remonter mon père, le père de ma fille. Parce qu'on a beaucoup d'entre eux qu'on retient dans notre cœur. Genre, il m'a fait du mal. Ouais, il m'a ceci. Et j'ai dû voir ma part de main dans l'histoire. Voilà, Annie, Mireille et Long, tu dis que le pipi, c'est la magie. Hein. Sandra Weti, je prêche. J'ai encore mon pupitre, Sandra. Comme tu dis que tu m'as vu pasteur en train de prêcher. Oui. J'ai le pupitre. Il y a un cardinal là, il y a un évêque qui était mort au Cameroun. Je crois peut-être c'est Toumi, que son âme repose en paix. J'avais vu un jour sur lui qu'à la fin de sa vie, il est reparti au village. C'est chose que je ne comprenais pas. Je dis, Kael, tu m'écoutes, tu fuis, tu reviens encore. Bienvenue. Quand tu vas partir, il faut fermer la porte. Sinon, les moustiques vont entrer. Tu as compris, non? Dans l'histoire de Toumi, si c'est lui, à la fois, il était évêque toute sa vie. Et à la fin de sa vie, il est reparti au village. Il n'avait pas rejeté Christ. Mais il avait compris que tout ça, ça fait partie d'un package. Donc, votre saison de guérison est en cours. Malheureusement, le problème que j'ai avec certains collaborateurs, c'est que quand ils arrivent à côté de moi, ils commencent à travailler avec moi. L'abondance qu'il y a dans ma vie, ça les dérange. Et parfois, les gens peuvent faire tu oublies ce que tu as traversé et qui tu es. Je peux être dans ma 900e vie, et je le suis d'ailleurs, 903 plus précisément. Demandez à vos guides, ils vont vous dire. Et dans votre vie passée, vous avez découvert les secrets du succès. Mais en mourant, vous êtes mort peut-être avec quelque chose dans votre cœur. Peut-être même c'est un membre de votre famille qui vous a tué. Donc vous avez retenu dans votre cœur. Quand vous renaissez de l'autre côté, vous naissez avec ce blocage dans votre âme. Vous ne savez pas pourquoi. Tu peux avoir une phobie peut-être de l'eau parce que tu t'es noyé dans ton autre vie alors que tu es une sirène. Tu vois que ça c'est sûr que tu peux te connecter. Ou bien tu es allé à l'église, on t'a dit que oh, l'eau n'est pas bien. Les sirènes ne sont pas bien. Tu vois là, tu détestes ta nature. Donc, quand ces personnes arrivent autour de moi, si tu dois s'arrêter au moins 2 ou 3 jours, tu vas comprendre que nous, le degré de la femme, c'est là. This is another level. Je dis toujours, on ne peut pas me ruiner. Quand Jésus a dit que détruisez le temple ici, je construis en 3 jours. Jésus avait atteint un niveau spirituel. Il avait découvert certains secrets. Donc, vous êtes dans votre chemin. Et cette guérison, ça va prendre parfois des années pour que tu relâches. La bonne nouvelle, c'est que quand tu vas libérer, on va dire quand le cycle sera complet. Premièrement, tu vas connaître qui tu es, comment tu manifestes l'argent. Il y en a parmi vous. Il vous suffit seulement d'avoir un objectif. Il me faut une maison de 500 000 €. C'est bon. Ton esprit va commencer à appeler des choses, des connexions. Tu vas penser que c'est du hasard au départ. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est comme ça que ton pouvoir est. Merci d'avoir partagé ma vidéo. Bonjour Maria, merci pour les fleurs. Luna, Dieu ne vous teste pas. Avant, à l'église, on vous disait, oh, c'est Dieu, le temps de Dieu. Tu es ton Dieu. Curtis, merci pour le partage. Tu es ton Dieu. Le jour où tu décides qu'il faut que je guérisse de la fesse, ta guérison commence. Reste 50 ans, tu ne fais pas de guérison. N'est pas voilà ton père qui est mort avec il va mourir avec la colère dans son cœur. Avec la colère et la pauvreté, non. Tu vois comment tu es en train de vivre sa vie, non? Tu es en train de répéter la vie de ton père, non? Ou de ta mère, ça ne te dit rien. Donc ça ne te parle pas. Bonjour Malika. Pour entrer dans l'abondance, vous devez absolument éliminer certaines personnes de votre entourage. Certains d'entre vous devaient devenir végétariens. Vous devez arrêter avec la viande. Merci Aljana. Parce que ça va élever ta vibration à l'échelle planétaire. Donc tu vas arrêter de manger la viande totalement. Déjà, même que si tu regardes bien, tu manges la viande peut-être 1 fois par mois. Coupe totalement. Mange beaucoup de haricots, beaucoup de carottes, beaucoup d'arachides. Mange plus de trucs frais. Même si tu prépares, ne prépare pas longtemps. Ça va ouvrir tes chakras. Et beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de glaire, c'est-à-dire vous avez bu les pots de désenvoûtement là. Ide Fashion. Comment tu vas? J'ai vu toi, tu es à Paris, je pense. J'ai vu un de tes statues hier. Et j'ai vu un truc comme tu veux me montrer la tour Eiffel. J'espère que tu vas bien. Yamwanga, merci. Bonjour, monsieur le Gabonais. Je vous donne les numéros. Le numéro de Libreville, c'est le 07 41 80 080. Il y a des enseignements que je suis en train de donner. Donc, je ne vais pas vraiment m'arrêter pour regarder vos questions. Je ne vais pas changer de sujet, en fait. Oui, tu dois éloigner certaines personnes. Jennifer. Jennifer, tu es spéciale. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui se passaient comme c'était du hasard. Mais ta paille est toujours à côté, en fait. C'est une de tes particularités. Jennifer. Ma petite n'a que 27 ans. Tu es sûr que tu as bien écrit? 27 ans. Parce que pour moi, à 27 ans, quelqu'un est déjà mature. Ok. Donc, vous allez éliminer certaines personnes, certains repas. Vous allez aussi passer beaucoup de temps dans la nature. L'argent apparent que vous poursuivez ne va pas produire autant que si tu t'élevais d'abord. Bonjour Ange Sophie, namasté. C'est-à-dire tu poursuis, ouais voilà, ah, j'ai besoin, je dois pointer 20 000, je dois... Tout ça c'est temporaire. Connecte ton énergie. Donc, je vois quelqu'un carrément marcher au bord de l'eau. Peut-être ils t'ont amené, ils me disent qu'ils t'ont amené dans une ville où il y a de l'eau. C'est pas du hasard. Au lieu de te préoccuper que ta soeur présente des signes de voyance, tu devrais plutôt lui faire une lecture de son énergie. Ça va aider. Certains parmi vous, vous avez besoin de faire des lectures d'énergie pour connaître vos dons, connaître vos pouvoirs. Si vous regardez bien dans les services que je propose, il y a lecture de mission de vie, quelque chose comme ça. L'esprit me dit de vous dire que certains d'entre vous, vous avez besoin de faire cette lecture-là pour confirmer certaines choses. Peut-être tu es dans un pays et tu te sens un peu... Ils me disent de te dire que ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard dans cela. Tout était planifié. Et que vous êtes, ils me montrent comme si vous êtes en train de rentrer dans l'alignement de ce qu'ils avaient prévu pour vous. Donc vous êtes dans une ville où il y a de l'eau, ou bien vous êtes dans un village. Ouais, certains vous allez ressentir aussi l'envie de beaucoup partir dans votre village. Voilà. Je vois carrément quelqu'un tu es au village. Ah, Badjuna, ma mère. Badjuna. Ok. Je te vois au village, tu es en train de marcher avec la verdure le matin. Ils vont beaucoup utiliser ces moments-là pour te reconnecter. Et je te dis de ne pas avoir peur parce qu'il y a des décisions qui te demandent de prendre depuis tu n'arrives pas à prendre parce que tu es dans un environnement qui prend beaucoup de ton énergie. Dès l'instant où tu ouvres les yeux, à 5 heures, ils ne peuvent plus te parler. Et ça te ralentit beaucoup dans ta mission. Un autre message. Tu dois te voir comme un agent secret James Bond qu'on a envoyé en mission sur Terre et on attend que tu fasses le rapport pour que d'autres personnes viennent. Maintenant, tu es arrivé en route, tu as été distrait. Donc, la mission est bloquée depuis à cause de toi. Bonjour Loulou de Louloute, c'est quel nom ça? Tu as une âme très très positive, tu as beaucoup de compassion en toi Loulou. On t'a aussi beaucoup fait du mal. Il faut pardonner Loulou. Tu as un esprit qui peut absorber les énergies et ça ne te fait pas mal. Donc dans cette saison de guérison, vous allez découvrir vos pouvoirs. vous allez découvrir vos pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, quand vous allez commencer à les découvrir, ça va d'abord vous guérir. Et ça va guérir d'autres personnes. Vous devez agir sur vos impulsions. Ils me disent de vous dire que les meilleures décisions que vous allez prendre, ce sont les décisions sur impulsion. Oh, je t'aime, marions-nous. Oh, je t'aime, faisons un enfant. Oh, j'ai envie de prendre ce local. Vas-y alors. Son pied officiel, je bénis ton voyage pour la Suisse. Prends beaucoup de produits spirituels avant de partir, ça va t'aider. Le lien dans ma bio ne passe pas, c'est bizarre quand même. Mon numéro c'est le 00237 693 50 22 66. 00237 693 50 22 66. Je rappelle que pour des lectures de mission de vie et d'énergie, je sens que c'est ouvert pour ça. Maintenant, ils sont tellement montré que c'est ouvert pour ça. Donc, si vous avez pensé à ça, prenez ce service dans les jours qui viennent. Je vais ouvrir peut-être pour 5-6 jours. Je n'aurai besoin que de votre photo, de votre date de naissance et de votre nom. C'est tout. Parce que quand je me suis rendu compte que quand je vous parle directement, vous venez avec vos petits problèmes qui m'empêchent de vous donner le message qu'ils ont pour vous. Donc, ça coûte 155 $. Donc, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Vous devez agir sur vos impulsions. C'est très important parce que comme votre environnement pour l'instant n'est pas encore nettoyé, il y a des personnes que ne serait-ce que par leur présence, elles influencent tes idées. Parfois tu restes comme ça là, tu dis j'ai envie de faire ça. Après tu dis encore, oh, il va venir dire que, il va venir. Parfois tu restes comme ça, tu as une énergie qui vient en toi. Tu commences à avoir une vision. Tac, 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 tac. Agis sur cette vision. Agis sur cette vision. Non, user, si tu n'as pas la soupe pour me payer, c'est que tu n'es pas prête. Vraiment, Candice, je suis très... humblement, je te le dis. Humblement, je te le dis. C'est que ce n'est pas encore le temps. Parce que si tu écoutes les conseils que je donne, tu vas guérir ton aura de telle façon que... il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur Facebook. Tu ne t'es pas senti intéressé quand tu as regardé mes vidéos avant. Tu as même oublié, mais tu es retombé sur moi par hasard après avoir ressenti un besoin pressant d'aller parler à ton défunt père au village. Ah, et maintenant tu me suis attentivement. Ça c'est super. TikTok, la connexion est mieux. Bonjour le roi martial de Malabo. Donc j'avais une idée que je tentais d'émettre. Tu m'écoutes. Tu n'as pas encore d'argent. Tu mets en pratique ce que je dis. TikTok, est-ce que la connexion est meilleure? Donnez-moi encore peut-être 15 minutes, je finis l'enseignement et puis je vais faire vos lectures d'énergie. Donc si vous avez des fleurs à me donner, vous préparez vos fleurs pour me les donner. Ne donnez pas les fleurs, je ne dis pas votre énergie. Point. Donc j'ai expliqué, vous êtes dans votre saison. La saison peut prendre 1 an, elle peut prendre 3 ans. Acceptez votre saison. Parce que quand vous allez sortir de là, les gens seront jaloux de votre argent. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle est aussi... C'est quoi tout cet argent qui vient vers elle? Vous ne connaissez pas le travail que j'ai fait sur moi. Vous ne connaissez pas l'argent que j'ai semé. J'ai des ministères où je suis partie semer intensément de l'argent. Je me rappelle en 2014, janvier. La connexion de TikTok dérange énormément. Je vais voir si je peux me mettre derrière. Donc, il y a des ministères où je suis partie semer beaucoup d'argent. Parce que je croyais. Je croyais que quand tu sèmes dans la bonne terre, tu vas récolter. Et il y a des onctions qu'il y a sur les ministères. Il y a des ministères qui ont l'onction de libération. Il y a les ministères qui ont l'onction de prospérité. Il y a un ministère qui travaille seulement avec les malédictions générationnelles. C'est vrai que quand tu pars là-bas, tu sèmes. Ça te libère. Maintenant, tu ne peux pas passer 6 ans, 10 ans. Tu fais tout ce travail spirituel. Quelqu'un vient ici, il te dit, ouais, voilà, oui, on fait des lavages physiques, ma chérie. Quelqu'un vient, il te dit, la personne n'a rien fait, même la dîme, la personne ne paye pas. Il commence à te dire, voilà, il croit qu'il peut avoir le même argent que tu as. Parce que les enseignements que je vous donne, c'est pour mettre la bonne fondation de votre argent. Quand la fondation va être bien construite, vous allez commencer à vous élever. 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 Et le tout, la personne ne va te bouger. Parce que tu sauras que, comme tu es en train de t'élever là, tu connais ce que tu as fait. J'ai fouillé dans les églises, les marabouts, oh, les ceci, les cela. Maintenant, je sais que tout ça, tu les mets ensemble. Il y en a parmi vous, vous avez dit que pour accepter Jésus, il te faut rejeter tout ce qu'il y a au village. Oh, quand toi-même tu vas mourir, on va aller t'enterrer là-bas. Ce n'est pas la folie. Je suis à Douala, je suis à Yaoundé, je suis à Libreville, je suis à Abidjan. Dans le numéro 00237 680 71 0701. 680 71 0701. On n'a pas de numéro béninois. Donc si un béninois vous contacte sur Facebook, c'est que ce n'est pas moi. Je ne contacte pas les gens. Je fais les bains de restauration, on les fait à distance. Donc tu envoies ta photo. Les papiers qui sont bloqués là. La saison dans laquelle vous êtes en train d'apprendre à vous stabiliser spirituellement. Vous êtes en train d'apprendre à juste... Voyez-vous un peu comme quelqu'un qui apprend. À monter les escaliers. Il n'a pas besoin de prendre l'ascenseur. Il n'a pas besoin qu'on dise, oh, non, laissez-moi seulement, chaque jour je monte une marche. Je monte. Les bains de restauration, c'est 55 €. Le numéro pour le Gabon, c'est le 0741 80 080. 0741 80 080. En France, vous nous contactez avec le numéro camerounais 00237 680 71 0701. Écrivez de préférence. La restauration est différente. Il y a le lavage de déblocage, le lavage de fondation pour enlever les fondations négatives sur ta vie. Le lavage de déblocage pour te débloquer d'une situation. Le lavage d'attirance. Même si peut-être tu veux te marier, on dit que tu as un fiancé ou tout comme ça. On fait le lavage pour vous deux parce qu'il y a des gens qui vous bloquent pour que vous ne vous mariez pas. Si je viens au Cameroun, ceux qui sont venus au Cameroun ou bien au Gabon, là, vous me contactez. Bon, pour payer sa dîme, vous payez par Orange Money ou bien par MTN. Tu veux payer par quel moyen? Il y a RIA, Orange et MTN. Donc, pour Orange, c'est le 698 367 221 pour payer sa dîme. 698 367 221. Le kit fondation, c'est 55 000. Quand tu prends les produits, tu te fais le travail sur toi-même à la maison. Avec 7 jours de jeûne. Le kit commerce, pour ceux qui ont leur commerce. Tu as des activités, ça ne marche pas. Tu achètes le kit commerce, c'est 65 000. Il y a le kit mariage qui coûte 150 000. Donc, le kit mariage, tu vas l'utiliser au moins sur 3 mois. Le kit mariage, 150 000. Je reviens après la pub. On a fini la pub, non? Je donne le numéro une dernière fois. MTN Money 680 71 0701. 680 71 0701. Donc 680 71 0701. Ça c'est pour les transferts MTN. Blessing Sony n'a pas l'astuce pour l'infertilité. Tu dois te soigner. Il n'y a pas l'astuce. Il y a une poudre là que tu peux prendre, tu bois. Une femme a témoigné l'autre jour. Elle a pris cette poudre, elle a bu. Il y a le mirage qui dit, j'ai acheté le kit de cette femme, j'ai fait mon propre lavage et ça marche à merveille. Merci pour ton témoignage, mirage. Beyoncé et étoile, on dit, vous prenez les appels. Parce que quand vous me tutoyez déjà comme ça, là, vous allez venir faire comme si on a mangé les patates ensemble au lycée. Quand vous allez m'écrire, ce sont les secrétaires qui vont répondre. Donc, ils pourront vous diriger vers Blessing Son. Même si le docteur a dit ça, ne perd pas espoir. Donc, il y a un thé là que je peux te donner, tu bois. Tu peux faire ça au moins 2, 3 mois. L'autre jeune dame a témoigné de ça, elle dit qu'elle avait fait 3 ans et cherchait l'enfant. Donc, elle a pris ça, elle a fait le travail. Parce qu'il y a une façon de boire ça. Il y a des trucs que tu dois faire avec. Ça enlève les mauvais trucs qu'il y a dans vos corps là qui vous bloquent. Donc, tu prends, tu mets. C'est l'affaire de conception, ça a tellement de sources. Diamant, si ton audience c'est cette semaine, tu dois te laver. Le truc, c'est que, avec vous, c'est que... Vous savez qu'il y a des trucs importants dans votre vie, mais vous ne vous protégez pas. Vous n'ouvrez pas votre chemin. Vous êtes aussi seulement là comme ça. Tu vends, tu ne vois pas l'argent, William. Tu veux qu'elle fasse quoi? Pour te laver. Bon, je dis quoi? La dernière chose que j'avais à vous dire, je vous ai dit de reprendre votre pouvoir, de suivre vos impulsions. Pour ceux qui ont les enfants, Pour ceux qui ont les enfants, vous devez aider vos enfants. Il y a des cycles karmiques qui doivent être... Bonjour, Tongola Pékin. Tu es à Athènes. Ah oui, c'est super. La poudre coûte 12 000. Il y a pour 15 000 aussi. Donc, je te conseille de prendre deux de 12 000. Ça va te faire un traitement peut-être de 3 semaines. Ouais. Vos enfants, en aidant vos enfants à atteindre leur mission de vie, vous-même, vous vous libérez. Parce que vous en avez voulu à vos parents parce qu'ils vous ont bloqué. Ce qui fait que ils vous ont... Vous avez de la haine dans votre esprit concernant votre père. Votre enfant est en train de grandir et est en train de devenir comme vous. Parce qu'il est en train de commencer à te reprocher que tu n'as rien fait pour mon futur. En aidant cet enfant, tu brises cette plainte dans son esprit. Ce qui fait que même ses enfants, les enfants de ses enfants, ça ne sera plus dans leur énergie. Et en libérant ton enfant, ça va te libérer aussi. Supposons que tu es bloqué parce que ton enfant est fâché avec toi. Et que tu débloques la colère que cet enfant avait contre toi. Indirectement, tu te débloques. Bonjour Yannick depuis Dubaï. Tu as peur de ton père, Candice. Pourquoi? Donc, je pense que je vais donner tout ce qu'ils m'ont donné de vous donner aujourd'hui. Bon. Le thé... Je viens de dire cela que c'est 12 et 15 000 non. En fait, je ne sais pas si TikTok bug seulement, mais j'ai dit il y en a pour 12 et pour 15 000. Et tu dois prendre au moins deux paquets de 12 000. Ça fera 24 000. Donc, il y a ceux qui ont envoyé des fleurs sur TikTok, c'est qui? Bon, si TikTok bug, je ne sais pas. Envoyez des fleurs. Yaourt agro. Nadine, tu dois restaurer ta relation avec ton père. Ça te bloque. Je vois une partie de ta vie qui est bloquée à cause de ça. Candice, tu dois pardonner à ton père. Bonjour, Romaric. Pour ton lavage à distance et offrande à l'eau, tu l'as écrit sur WhatsApp. Tu as écrit ici, je ne connais pas ton numéro, je ne connais rien. Écris là où tu as envoyé ta photo, tu rappelles le truc et puis on va regarder ton dossier. Léla Optique, tu as beaucoup de patience. Et tes choses sont en train de porter. C'est en train de donner maintenant. Mireille, tu as beaucoup de joie en toi. Beaucoup de joie. Et c'est ça qui va faire aussi ta force. Tu es très protégée aussi. Je vois beaucoup d'ancêtres autour de toi. Mambo des adultes, bonjour. Le lavage à distance, c'est 55 €. J'attends ton témoignage, Yann. Olivia, tu n'as pas donné les couronnes là par hasard. Il y a de la royauté en toi. Tu descends même d'Égypte ancienne. Tu as une force de guérir. Lise Mafou. Tu te caches beaucoup. Tu as des pouvoirs, Lise. Et puis, un des dons de voyance. Et tu doutes encore, tu te caches. Celle qui a ouvert le magasin de Poulaïs, tout ça est tombé. Tu dois absolument... merci pour les gants de boxe. Tu dois absolument te laver d'abord. Je sais que tu as sûrement déjà fait des lavages. Tu vas encore en faire. Quand tu vas payer ta consultation, tu sauras comment la consultation se passe. On verra comment ça se passe la consultation. Ne me dérangez pas. Laurel, tu es très timide, Laurel. Il y a celle qui a offert les gants là. Tu t'appelles comment encore là? Manou, tu as une bonne énergie, mais tu as peur de t'exposer aux gens. Pourquoi? C'est ça qui va te donner l'argent. Queen 5. Moi-même, ça me donne envie de dormir quand je m'écoute. Ingrid qui dit... Ingrid. C'est comme si tu attends qu'on t'approuve dans ta famille avant que tu te lances. Tu vas en train de chercher, d'attendre. Orange Money ne passe pas, ma chérie. 698 367 221. Le nom, c'est Jocelyne. Tu me dis que ça ne passe pas. Ceux qui ont fait les gants, là. Tu demandes encore, tu attends encore l'approbation. Check bien les choses que tu dis que tu veux faire. Parce que c'est comme si tu attends l'approbation des gens. Et comme ce n'est pas ce que tu es censé faire, ça ne te donne pas l'énergie ou l'envie. Parce que tu veux faire ça pour plaire aux gens, en fait. Dieu donnait à la lame. Ah, peut-être tu es invisible. C'est toi-même qui as dit. Nina, merci pour la photo. Nina. On t'a caché. Linda Lorraine. Il y en a ici là que vous avez peur d'écrire. Vous avez peur. Vous ne voulez pas toucher à votre clavier. Linda, tu as... Tu vois un peu comme si tu avais... Tu es en train de sortir de ta bulle, de ta timidité. Il y a des idées, il y a tellement de choses que tu avais envie de faire depuis. Lance-toi, tu vas peut-être voyager dans les jours qui viennent ou bien. Tu vas sortir, il faut que tu sortes de ton cocoon. Merci Doris. Jude. C'est comme tu attends quelqu'un t'a promis de l'argent, je sais pas. Tu attends la personne pour te lancer. N'attends plus quelqu'un, Jude. Rita, écris un peu un truc, je veux voir ta photo. Golden. Michel Angéline. Je te vois un peu découragée. C'est comme si tu as fait beaucoup de choses. Après, tu arrives à un moment où tu t'es fatigué. Il ne faut pas te décourager. Tu as aussi peur qu'on te voie, Michel Angéline. Golden, expose-toi. Va au soleil, Golden. Va au soleil, il y a beaucoup de ton énergie là-dedans. Ça va venir, ça va t'activer. Mange aussi beaucoup de salade. Tu vois comme si ton ADN est en train de changer. Clem, tu as la force quand tu m'écoutes. Oh, c'est super. Tu es en train de te réveiller en fait, Clem. Tu es une guerrière. Ce que tu as traversé, ça t'a rendue forte. Ruth, il y a des choses que tu voulais lancer depuis que tu avais peur. L'esprit m'a dit te dire que tu n'es pas peur, que ça va bien se passer. Alido dit là non. Tu vas changer ta famille, Alido. Tu es un peu comme Joseph. On t'a aussi beaucoup, on s'est moqué de toi dans ta famille. J'ai 100 personnes ici, je ne peux pas faire les 100 personnes. Il y a peut-être 20, 30 personnes qui commentent, donc on va dire sur... D'autres sont en train de regarder seulement. Et sur les 30 personnes... Queen, tu es une sirène, Queen. Queen 5, tu es une sirène. Il faut que tu ailles à l'eau. Achète juste des bonbons. Tu dois aller... Achète les bonbons. Tu vas donner à l'eau, Queen. Il ne faut pas avoir peur de dépenser ton argent, Queen, pour ton travail spirituel. Merci, Sophie. Quand tu as suivi ce qui était dit, non, il faut que tu te connectes avec tes guides qui sont dans l'eau. S'il n'y a pas l'eau dans ta ville, tu dois voyager pour aller trouver un endroit à l'eau. Golden. Quand tu étais petite Golden, on ne t'a pas trop protégée. Maintenant, tu sens, tu as envie de te lancer toi-même. Oh, merci pour les petites oies, les grandes oies avec la couronne. Merci. Je vais venir sur toi, la jeune fille là. Golden, Golden, on t'a beaucoup bloqué quand tu étais petite. Et maintenant, tu es en train de... Tu es en train de déployer tes ailes. Voilà. Celle qui envoie les oies, là, comment je t'appelle? Manou, tu as beaucoup de frustration de tes anciennes vies que tu dois relâcher, Manou. Marius 5. Très beau, très élégant. Mais t'as pas beaucoup d'argent. Pourquoi, Marius? Tu as bloqué tes finances. Quelle est ta relation avec ta mère, Marius? Ceux qui m'ont envoyé les oies, là, tu t'appelles comment? Je vois s'ils ont un message pour toi. Ingrid, ouais. Ingrid. N'oublie si tu auras le visa, mais va d'abord, tu as lancé la boule au village. Ingrid, il y a beaucoup de personnes qui ont vu ton étoile et qui... Je vois un peu comme si on a caché pour qu'on ne te prenne pas en premier, pour qu'on ne te voie pas. C'est comme si dans ton enfance aussi, on a trop œuvré pour que tu te voies. Donc s'il y a peut-être quelque chose, tu mets d'abord d'autres personnes devant, avant de te mettre. Donc, tu as beaucoup travaillé sur ta confiance en toi pour te sentir. Tu dois te sentir. You have to, il faut que tu crois en toi. Manou, tu es comme le... Ah, merci pour la fleur sur la tête. Tu es comme le... une personne qui est en train de se lever d'un tombeau. C'est comme si tu sors d'un sommeil spirituel très, très, très intense. Arrête Queen. Arrête Queen, tu as vraiment beaucoup de dons que tu es en train de découvrir. Waouh! C'est quoi cette beauté là? Ça là, une sirène ici là. Chris Ramada, quelque chose là. Mich, ouais. Toi, tu es une sirène. Tu es aussi une femme de paix. Tu vas mettre beaucoup de paix dans ta famille. Harriet Queen aussi. Harriet Queen, tu as une beauté égyptienne. Tu es comme si tu étais une prêtresse dans l'ancienne Égypte. Harriet Queen. Golden. Golden. En dormant, il faut mettre un verre d'eau à côté de toi. Et il faut aussi aller à l'eau. Va à l'eau, Golden. Il y a des choses que tu... Il y a des richesses que l'eau doit te donner. J'ai une vidéo sur la page ici où je montre comment aller à l'eau et parler. Vous cherchez ça. Si tu ne trouves pas, tu m'écris. Je parle en inbox. Le mirage. Écris un peu, fais un commentaire, le mirage. Golden. Tu es aussi en train de te réveiller. Avant, tu abandonnais trop. Quand on te faisait du mal, on partait, tu laissais. Il y a une guerrière en toi qui est en train de se lever. Et c'est comme si c'était même ton sujet de prière avant. Michel Couédé. Michel Couédé, on t'a beaucoup frustré. Je sais pas si c'est en grandissant avec papa. Fais beaucoup de bains de lait et sucre. Michel Couédé. Léonie Degboué, les dettes, il faut que tu demandes, tu vas te libérer d'esprit d'endettement ou de main percée, tu ne gardes jamais l'argent, il faut que tu te libères de ça, donc prie contre cet esprit. Golden, Golden, Golden. Le mirage, j'ai demandé que tu écrives pour que je voie ton nom, la photo. Golden, tu as des blocages. Le mirage, ok, non. Le mirage, tu disparais toujours. Ouais, c'est ce que je me disais bien. Beaucoup de jalousie dans ta famille, le mirage. On t'a voilé, mais tu n'es pas... Tu es une battante. Tu es une battante. Golden, Golden, il faut que je me reconcentre sur toi. Golden, c'est comme s'il y a des choses que tu as voulu faire. Tu es dans un bon pays, maintenant tu ne profites pas pleinement de ce qu'il y a dans ce pays-là. Blocage familial. Il y a des gens dans ta famille à qui tu dois pardonner. Voilà. Gauthier Kwam, tu es quelqu'un de très positif. Tu n'abandonnes pas. Tu seras très riche, Gauthier Kwam. Tu es quelqu'un que tu n'abandonnes pas. Tu as une énergie très forte. Dem. Toi-même, tu dois creuser ton chemin pour ta peau avancer. Il y a les choses que tu as vues, tu as douté de toi. Maintenant, l'esprit veut que tu aies confiance en ça et que tu reprennes. Dieu donné à l'âme. Fais des lavages au sel, Dieu donné, ça va te libérer. Golden, il faut que tu... Je crois que tu dois prendre peut-être... Il y a le kit commerce. Parce que je te vois en train de faire plusieurs activités. C'est quoi comme ça là? Tu m'as offert les fleurs. C'est qui comme ça qui m'a offert les fleurs? Oh, plein de fleurs. Merci. Oublie tout ton nom, ma chérie. Toi qui viens de m'offrir plein de fleurs. Dans le passé, tu commençais, tu ne terminais pas. Maintenant, il me montre que tu es dans une ligne où tu ne vas plus t'arrêter. Tu ne vas plus t'arrêter. Quand tu vas commencer, tu ne vas pas abandonner. Deuxièmement, il te faut faire des bonnes d'attirance. Parce que tu vas beaucoup attirer. Il te faut attirer tes aides de destinée. Il y a des personnes qui vont venir dans ta vie, qui vont t'aider une fois. C'est qui a ouvert plein de feux là. Et les gens vont se rappeler. Tu vas devenir célèbre. Voilà. À un moment, tu vas devenir célèbre. Tu as aussi des dons dans les mains. Tu guéris avec les mains. Tu es quelqu'un que tu es très compatissante. Tu as de l'empathie. Ingrid. Oui, Ingrid, c'est de toi que je parle. Tu as des dons dans les mains. Tu as la guérison. Tu as aussi de l'empathie. Ta compassion c'est quelque chose qui va te permettre à un moment que tu guérisses beaucoup de personnes à une grande échelle. Christiane dit, en fait, tu ne crois pas en ce que je fais. Tu es seulement là, tu es un sceptique. Tu ne crois pas. Il faut que tu ailles au village. Tes ancêtres t'appellent, en fait. Comme si tu as fait longtemps sans partir là-bas ou bien sans penser à faire un salaka sur leur tête, monsieur. Cornelia Brichka. Cornélie Brichka. Lis le psaume 91. Tu demandes la protection. Et le psaume 4, verset 9. Daniel, tu es très sûr de toi, tu sais ce que tu veux. Maintenant, les gens de ton entourage sont jaloux de ça. Donc, il ne faut pas que tu abandonnes tes idées. Étoile montante. Le nom que tu as choisi pour ta chaîne n'est pas au hasard. Tu es très incomprise, étoile, dans ta famille. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu viens d'une famille qui n'est pas très riche et que tu veuilles devenir riche. Donc, il va falloir que tu t'isoles un peu de ces gens et que tu... Et voilà, il me dit de ne pas te fatiguer de faire du bien. Aussi, il y en a, tu as parlé, ils n'ont pas écouté, ça t'a découragé. Allez-y. Stéphanie Fogan. Et ça va suivre encore chez tes parents. Il faut que tu bouges. Tu connais déjà les choses. Tu es très spirituel, mais physiquement, tu te comportes encore comme une enfant. Tu ne prends pas les décisions qui impliquent ton engagement financier. Pardon. Manou, il te faut nettoyer ton visage. Je pense avant contre le... On en a, je ne sais pas dans quelle ville tu es. Il faut enlever le voile sur ton visage. Ina Diallo, très solitaire, poète. Avant, tu écris même des choses. Il faut que tu lises beaucoup, Ina Diallo. Stéphanie, tu dis que c'est vrai. Ok. Grâce divine. Tu as très peur de parler. Pourtant, c'est un don. Tu as toujours un don dans la parole pour édifier les gens. Golden, quand tu as un objectif, il ne faut pas laisser quelqu'un t'arrêter. Il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. Il y a des moments où tu es concentré après. Il faut s'écouter beaucoup le matin. Il te parle. Ce qu'ils te disent de faire, il faut que tu te lèves, tu mets dans ton programme de la journée, tu fais. Je te vois au bord de l'eau. Il faut que tu te rapproches de l'eau. Je crois que je t'ai déjà dit ça. Rapproche-toi de l'eau. Parce qu'il y a des messages qui vont sortir de l'eau pour toi. Noëlla parlera. Tu dois activer la force qui est en toi, Noëlla. Tu as peur, en fait. Tu crois, mais après, tu te dis que si c'est vraiment réel. Tu crois, mais après, tu ne crois pas. Parce que si tu croyais, tu allais agir totalement dessus. Ils me disent de te dire. Ou en passant, on a un atelier, c'est une sorte de séminaire, le 20... Donc, c'est dans 6 jours, le 20 septembre. Ça va coûter 100 €. Donc, ils veulent transformer leur don là en argent. On va utiliser la plateforme TikTok. Je vais toucher un peu sur YouTube, mais ce sera majoritairement TikTok. Vous avez des dons, vous êtes dans des petits boulots de salaire de 1000, 2000 €. Vous souffrez alors qu'il y a l'argent dans vous. Mais je rêve des fois qu'un homme couche avec moi dans l'eau. Tu es une femme de l'eau, ma chérie. Ça veut dire que tu vas te rapprocher de l'eau. Accepter cette nature-là. Je sais que les gens ont trop parlé mal de ça. Hein. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Ça fait longtemps, Steph. Rita, on t'a beaucoup frustré quand tu étais jeune. On t'empêchait de parler, Rita. On commence à écrire, ça va libérer ta voix. Golden, il ne faut pas avoir peur. Bon, moi, je vais y aller. Vous prenez beaucoup d'énergie. Baby, calm down, calm down. Follow down, follow down. Il y a 2 personnes ici. Là, je vous conseille de partir au bord de l'eau. Il faut le faire. Allez-y. Oh, merci pour les fleurs. Qui m'a envoyé la fleur, là? Oh, Steph. Steph, tu es très créatif aussi. Si tu n'as pas encore exploré ton côté créatif, il faut que tu le fasses. Peut-être dans la peinture, les dessins. Et aussi un message principal que j'avais pour vous aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir l'impression que vos affaires sont en train de tomber, mais en fait, c'est à l'aube de votre plus grand changement que vous avez l'impression que c'est en train de tomber. Donc ne découragez pas. Ne vous découragez pas. Bonjour Larissa, bienvenue dans mon direct. Golden, tu dois épouser ta nature. Tu dois être en paix avec ta nature. Parce que tant que tu la rejettes, tu auras une sorte de contradiction à l'intérieur de toi. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Vous êtes des femmes de l'eau, par exemple. Et vous priez contre l'eau chaque jour. Oh, oh. Alors que... Donc, Manou, il faut te lever, lève-toi. Prends aussi du temps, Manou. Tu vas prendre du temps pour... Je vois peut-être comme si à une époque, tu as lu la Bible et les passages vont te revenir. Donc, tu étais très chrétienne à un moment. Et ça va te revenir. Merci pour la casquette, Stéphane. Donc Ingrid, tu dois prendre ta vie spirituelle au sérieux. C'est comme si tu étais dans une phase où tu doutais, tu as un bon boulot, tu es bien payé. C'est vrai que tu veux bien améliorer cela, mais... tu ne prends pas ce qui te donne comme message au sérieux. Donc ce que je viens de te dire aujourd'hui, il faut que tu... Ça résonne avec ton cœur quand je parle. Non, il faut que tu fasses, il faut que tu le fasses. Tu abandonnes la religion pour te consacrer. Même les choses que tu as apprises pendant que tu étais avec, dans la religion, tu vas les utiliser. J'ai prêché la parole. Après, quand j'ai commencé à faire, je prends la Bible, je te montre où on doit aller pour ce qu'on doit aller faire au village avec la Bible. Donc, n'excluez pas l'un de l'autre. Il n'y a pas de haine dans la spiritualité. C'est l'amour qui est la plus grande force. Wendy Michel, tu as des pouvoirs. Tu as des super pouvoirs, Wendy. Parfois même tu rêves que tu es, je sais pas, superwoman, que tu voles, que tu tapes les gens, tu sauves les gens. Alliance, tu as un esprit très posé et calme, Alliance. Très posé, très calme. Tu as des décisions que tu dois prendre dans les jours qui arrivent. Il ne faut pas avoir peur. Donc, le numéro, c'est le 680 71 0701. Donc, 00237 680 71 0701. Donc, ceux qui veulent lire, j'ai dit pour les prochains jours, donc dans 6-7 prochains jours, j'offre les lectures de... d'énergie, lecture de mission de vie, toutes ces choses-là. Donc vous pourrez vous connecter pour ça. Mission de vie, confirmation de dons spirituels, des choses comme ça. Donc la formation spirituelle. Merci pour le cadeau. La deuxième semaine de octobre. On va relancer la formation spirituelle. Donc, on est à notre troisième semaine. Donc, vous pouvez vous enregistrer déjà pour ça. Merci pour vos cadeaux. Merci pour le cœur, Stéphane. Tatiana, tu as beaucoup d'idées. C'est comme si tu écris même des textes. Tu devrais faire des pièces théâtrales. Tu mets sur TikTok. Unique, tu fais des voyages astro aussi. Il y en a parmi vous, vous faites des voyages astro. Merci pour le cadeau, ma chérie. Attends un peu, c'est qui a laissé ce cadeau là, la jeune fille là? Arise Luther. Il y a un voile qui fait que on t'évite. Arise Luther, comme une sorte d'esprit de rejet sur toi. Lave-toi avec... fais ton bain d'urine au moins pendant 7 jours. Arise Luther. Comment rejoindre christianisme et spiritualité? C'est déjà en toi, ma chérie. Avant que tu ne sois chrétienne, tu étais spirituelle. Et tu es tombé dans le christianisme parce que ça résonnait avec toi. Donc les deux là, c'est la même chose. Donc il faut seulement être ton authentique toi. Je dois fermer cette lecture, ça me prend beaucoup d'énergie. Vous passez une bonne journée. Demain matin, on va encore parler. Faites vos bains. Et pour ceux qui ne vont pas se mélanger ici pour faire les lectures, vous pouvez prendre des lectures privées. J'ai laissé les numéros. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas encore de sous, lavez-vous avec du sel. Et vous passez une bonne journée. Quand on est prisonnier spirituel, tu n'es pas prisonnier, ma chérie. Tu as toujours le choix à tout moment. C'est toi qui choisis, ma chérie. Tu choisis. Donc, si tu es quelque part, comme tout est généralement lié à l'argent, parce que vous n'avez pas accepté que votre esprit peut produire de l'argent. Certains, vous êtes même contre la richesse. Vous combattez la richesse. Combattez la richesse.